Faut que je retourne à la taverne donc. Mais avant, on va faire quelques emplettes. Déjà, on va revendre de la merde. Non, ouvrir. Je voudrais identifier cet objet. Alors, plus 1 résiste aux dégâts de l'acide et au feu. Unité au sort affectant l'esprit. Porte d'armure intermédiaire. Je ne peux pas la mettre. J'aurais dû prendre ce don du coup. Et là, identifié. Alors. Pénalité d'armure 0. CA plus 1. C'est une vantardise de Benzo. Alors. Bonus d'armure contre les chaotiques et contre le mauvais. C'est une arme que je peux. Une armure que je peux mettre. Voyons voir. 17. Ouais, non, c'est un peu de la merde. Donc je te vends ça. Je t'en sais super. What the fuck? Cette hache effrayante se distingue par le fait que ça me soit. What the fuck? Quoi? Mais t'as craqué le jeu? Bon, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Mais t'as craqué le jeu? Non, t'as. J'ai dû mettre. Mais il a craqué le jeu, j'en veux pas moi de cette merde. Bon, on va aussi revendre 2-3 trucs, le saphir. Les lettres, par contre, j'aimerais bien m'en débarrasser. J'aimerais bien me débarrasser de plein de choses, mais je ne peux pas. Mais t'as craqué le jeu, j'en veux pas de sa hache de merde. Bon, bah, la hache là-dedans. Non, mais. Eh oh. Voilà. Faut transporter 20 objets de plus. Bon, ça par contre, le bois de fer, faudrait que je m'en débarrasse un jour. Parfait. Et puis aussi, je voudrais que. J'ai besoin de soins. Parfait. Impec. Bien, à la taverne. Aïe. Je m'ai craqué le bras. Attends, c'est la caserne ou c'est l'auberge? On verra bien. Ne vous inquiétez pas, jeune homme, tout fonctionnera. Chaque chose a sa raison. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Alelor. Et si au jour? Avez-vous réussi à récupérer des gemmes? Ah oui, des gemmes! Oui! Tiens, et. Tiens! Prends la gemme. Et j'ai gagné une armure. Ah bien, laisse-moi prendre ça. Ah oui. Je ne pourrai jamais assez pour remercier de me rapporter ces gemmes. Maintenant, je peux enfin emmener ma fille à Éternelle Rencontre. Quand j'en ai fait la première, je suis impatient de montrer le boss qu'elle corps et long. Allez dire mon ami, le chemin se croise rentrer peut-être à nouveau. Ah oui. Alors, le célèbre aventurier, le serpent, hein, vous a récupéré les gemmes et il est parti plein de reconnaissance en me donnant une superbe armure. Une armure de loyauté. Armure de loyauté un poil faible, mais que je ne vendrai pas. Ne vous inquiétez pas, Javander, tout fonctionnera. Chaque chose a sa raison d'être. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Alelor. Alelor, seul et unique marchand de Forlast, spécialisé dans la lutte contre la. Ok, au revoir. Bonjour, c'est à quel sujet? Parlez-moi de ton contrat avec le loup-garou. Oh, une quête, cool. Je sais qu'à l'heure, mais ça, je devrais pas en parler, monsieur. Désolé, vous devriez interroger Neurik. Pourquoi ne pouvez-vous pas en parler? Parce que je ne peux pas. Qu'est-ce que Neurik? C'est le prêtre du temple de Tyr. Ok. Ah, faut que je retourne au temple de Tyr. Mais moi, je voudrais aller voir Aribès, donc elle est pas là. On va faire la petite quête, hein. Faire la petite quête, de toute façon, on a le temps. On a le temps. Un temple de Tyr, il est. Temple, oui. Et moi, je vais aller à la caserne. Donc, c'est là que, techniquement, Aribès est. Comment ça verrouiller? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
pourtant les casernes d'un mercenaire. Ah bah, lol. Non, Arimes. Nous devons entrer à Luskan pour suivre votre piste au sujet de la tour des Arcanes. Oh. Adressez-vous à Haringend. Il a un plan pour vous faire entrer en jeu. Tu m'énerves, Arimes. Tu m'énerves. T'es bloqué sur ce, sur cette phrase depuis un moment. Je me fais du souci pour toi. Bon, retournons au temple de Tyr et interrogeons Nehric. Bonjour, Nehric. Salut. Ah. Vous voulez de l'aide peut-être? L'histoire, tout ça. J'ai des charmes d'argent qui vont encore chasser. Oula. Alors, voyons voir. Charme d'argent. Waouh. Waouh, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Alors, maquette. Alors, on aurait qu'à toi de l'entendre, parce que c'est ce que le temple pour le dire. Et qu'on annonce une terrible tragédie frappe certains jeunes de la ville. Sir Carissa, et qu'on doit faire, je sors de mon carreau blanc, demander l'aide de quel garçon, je sais, mon écoutant, je vais nous seulement de mieux. C'est un piège, car c'est là. Ces gaffes sont plantées dans la chair de Brandt, Urf et Guette, les infectant à cette odieuse maladie. Nous laissons le jeune Anders sain et sauf. Je dirais croire que si on les trouvait assez tôt, il serait encore possible de guérir trois jeunes hommes suite à un charme qui est concocté. Pour l'instant, Anders passe ses journées en berger de Nord, c'est la première journée. Oh putain. Et je suis sûr, ces personnes sont dans des endroits séparés. On va retourner à l'auberge. Merde, qui se trouve ça alors juste à côté. Mais on va voir du lican. Et ça, c'est cool. Under. Bonjour, c'est à quel sujet? Bon, j'ai parlé à Nehric, alors. Oui. Alors, c'est Nehric. Voilà. Ah bah c'est cool ça. Alors. Ah, je ferai la quête plus tard. Faut que j'aille à trois endroits différents. C'est pour ça que dans mes cartes c'était Tanière du Loup-Garou, j'ai pas compris. Mais je crois que je les ai tués. Je crois que j'ai fait une connerie, je les ai tués. Ah, ça fait chier. Ah, ça m'emmerde. Ah oui, merde, faut que j'aille voir. Ah, attendez. Ah, il pense que Brandt se trouve sur la route de vos souris et que Guette a pu se réfugier devant. Ah, il m'a dit au sud de la ville. Ferme lointaine. Ah, faut que j'aille au sud. Ah, je vois bonheur. Bon, le sud, c'est par là. À moins que ce soit par là. Je ne sais plus où est le sud. La boussole, la carte. La boussole, la carte, mes amis. Maison Talénor. Attendez, faut que je me remette ta carte.
Est-ce que c'est ici? Faites que ce soit ici. Voilà. Mais barrez-vous, je vous dis rien. Hein, tranquille la vie. Hein? Feignant. Ils ont disparu. Donc pas ici. Mercenaire. Un poulet. Un chien. Ah, un homme. Un petit garçon. Oui, ouf, 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 ouf. Maison des elfes d'étagent. Monsieur Estes. Bienvenue. Bonjour, madame. Hein. Bonjour. Oh. Est-ce que vous êtes en caisse? Non, c'est un manteau. Bienvenue. Bon, très bien. Billy, je sais que tu es là. Je sais qui tu es, Billy. Ne t'en fais pas. C'est... Tu m'as mis un double coup dans la gueule, Billy. Ne t'en fais pas, Billy. La lycanthropie, ce n'est pas grave. C'est l'adolescence. Ah. Ce sont des remèdes, ils vous guériront. Yay, je vois bonheur. Qu'est-ce toi? Alors, on a retrouvé l'un des garçons de Rick qui sont intéressés par un nom d'aventure que Sir Kazan. Ok, ouais. Ah ah, parfait. Où est... Elle. Alors, je vais. Voilà. Mais putain. Ah, c'est pas vrai ça. Donc, où est l'anneau? Que je vois un peu la gueule qu'il a. Anneau de Yorf. Parfait. Très bien. Et ben, ça c'est fait. Je pense que c'est bien. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue. Oh, que les dieux vous bénissent. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Monsieur, pardon. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Votre action, dans votre... Ouais, 7 points vers le bon. Je suis bon. Je pense qu'on va faire la quête du chasseur au dragon. Alors, attendez. Nanana. Alors... Les collines à l'est, on fera plus tard. Se trouve sur la route de Bois-Souris. Alors, Bois-Souris, pas d'hiver. Route du sud. Allez, on va à Bois-Souris. On retourne à Bois-Souris. Allez, la porte. Prends la porte. Du coup, pour éviter que ça dure trop de temps, on va faire une petite ellipse. Hein, et je vous retrouve dès que je suis face à ce combat. A tout de suite. Quoi? Mogrin? Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est ce personnage qui est en train de me latter la gueule? Il est littéralement en train de me latter la gueule. D'accord. Des embuscades. J'ai pas compris. Ou une ceinture. Ouh. J'aime, vas-y. Qu'est-ce que... Lettre à Bardock. Bardock, les anciens ont besoin de vous. Ce qui n'était qu'une poussière irritante désormais devenu un souci pour la secte. Vous savez contre qui je vous envoie. Solomon a échoué, tout comme l'agent Neva. J'espère que vous ne suivrez pas leurs traces. Une fois votre mission remplie, revenez à Luskan, nous fêterons votre victoire à la tour des Arcanes. Votre ami dans la foi, votre seigneur, par le sang, Mogrin Korotir. Oh, bonjour.
Ah, c'est dans résolu, d'accord. Moi, d'accord. Ouais, j'ai résolu une quête. Oh là là. Donc, d'accord. Donc, je me suis fait attaquer. Et puis, voilà. Bah, du coup, c'était le point scénario. Maintenant, on retourne au point de... Je vais aller chercher le loup-garou. Ça y est, j'ai trouvé où il est, le deuxième loup-garou. En fait, j'avais raison sur la première idée que j'ai eue en off. Je pensais qu'il était là. Et en fait, je suis allé un poil plus loin. Et il est plus loin, on s'en fout. Allez, entre. Maintenant, faut que je le cherche là-dedans. Je ne sais plus du tout où il est. Ça se trouve, j'ai tué. Je suis sûr que je l'ai tué. Par contre, je vais me reposer. Je suis complètement sûr de l'avoir tué. Mais alors ça, j'en suis sûr et certain. Je suis complètement sûr de l'avoir tué. À moins qu'il ait popé. Mais à part ça, je suis vraiment sûr que je l'ai tué. Et ça me dérangerait beaucoup parce que, en soi, cette quête, elle est pas longue. Enfin, elle est juste longue parce qu'il faut faire du backtrack. Moi, ça me ferait chier qu'il soit mort. Ah oui, toi, t'avais... Bah merde. Où es-tu, loup-garou? Oh, une quête que je ne pourrais pas finir. Oh, Merde. Zut, flûte. Oh, dis-moi que t'es là, s'il te plaît. Ah! Parfait! C'est rien! C'est l'adolescence! Je t'explique à un de tes potes aussi! C'est normal que tes poils poussent et que tes ongles s'allongent! Reste calme! Ah! Merde! C'était pas le plan. C'était pas le plan d'Alain. Il fallait pas l'attaquer. Enfin, si, il fallait l'attaquer, mais moins fort. Bon. Stop. Mais non, mais... Ah, mais on est des sacs à merde, Alain. On est des gros sacs, on n'arrive même pas à l'assommer, on le tue. C'est incroyable, mais je ne sais pas comment on fait. Voilà, pas bouger. Allez. On le blesse. Enfin, on l'a. Voilà. Stop. Voilà. Échec. Yes. Bon, le deuxième gamin est sauvé. Le troisième, on avait dit qu'il était où? Je ne sais plus. Les boîtes pas d'hiver, oui. Non, c'est l'autre côté qu'il faut se barrer. Parfait. Et ben là, du coup, encore une ellipse pour se retrouver aux bois de pas d'hiver. A tout de suite. Ah, c'est impeccable ça. Parfait. Tout cela est parfait. Tout cela se goupille très très bien. Non mais tout cela se goupille vraiment trop bien. Qui êtes-vous? Échec. Bon.
Parfait. Parfait. Ça, c'est fait. Et maintenant... Eh ben, on va donner les anneaux et on va s'arrêter là pour cette petite session. Petite session de Neverwinter Night. Hein. Salut! Et un peu d'XP. Oh, parfait. C'est bon ça. J'ai besoin. Ouais, dis-moi un peu plus. Oui. Oui. Je veux me soigner. Voilà, de soigner. Et voilà. Eh bien, petite session où il s'est pas passé grand chose, où on a fait quand même deux, trois quêtes. C'est intéressant, mais je pense que on veut demain finir. Je vais avancer pour la quête de Scan en finissant la quête de, des loups garous. Donc j'en étais où? Oui, on a fait là c'était la petite session. On a fait quelques petites quêtes. On a fait pas mal de choses. On a légèrement avancé, mais je pense que je vais quand même recontinuer juste après. Je vais passer le jour où je devais enregistrer Breath of Fire. Je vais le passer. Je vais continuer sur Neverwinter Night parce que je veux la suite et que vous aussi vous la voulez. Merci à tous d'avoir suivi la playlist ou bien cet épisode ou bien la session entière si vous l'avez regardé. Si c'est le cas, ben je vous invite comme d'habitude à tout ce qui est like, commentaire, à vous abonner si le contenu que je produis vous plaît, à me suivre sur Twitter, à partager la playlist, les épisodes et les vidéos que je produis. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine sur Neverwinter Night.